On va commencer par Yoann Bocognan. Un défenseur qui marque 5 buts dans une saison, c'est déjà pas mal. Un défenseur qui arrive à faire monter son équipe avec tout son effectif, c'est quelque part le plus beau avec le trophée dans les mains, le titre de champion. Il n'y avait pas plus beau à faire cette saison de toute manière. Non, ouais, c'est sûr. Après, voilà, c'est. Mais c'est pas moi tout seul. Hein. Vous avez dit que je fais monter une équipe. Non, pas du tout. On est 25. C'est le travail de tout le monde. Donc, c'est grâce à mes copains que je marque. Je marque pas tout seul. Donc, voilà, c'est bien. C'est un atout supplémentaire. Donc, on va essayer de réitérer ça pour la saison prochaine. Vous êtes tous les deux arrivés en National 3. Arriver à faire remonter un club historique en Ligue 2, le remettre à sa place, c'est une très grande fierté personnelle, tout d'abord, j'imagine. Ouais, c'est une grande fierté parce que voilà, on signait ici en N3. On savait que c'était un club avec plein d'ambition. Maintenant, monter comme ça tous les ans, je pense que c'est compliqué. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Nous, on a réussi à le faire et c'est une bonne chose pour le club, pour tous les supporters et tout le peuple bleu. Alors qu'on voit une incursion de Stephen Quimper et de Sébastien Da Silva. Stephen Quimper qui fait le piston même en conférence de presse comme avec Sébastien Da Silva. Stephen, quand vous êtes arrivé de Saint-Brieuc, est-ce que vous vous attendiez à vivre une aventure humaine aussi incroyable? Je vais pas vous mentir, sincèrement, oui, parce que j'ai entendu parler de ce club comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, Il paraît que vous aviez une photo de vous avec un maillot Sporting en étant petit, c'est ça? c'est vrai, ouais, tout petit, quand j'avais 8-9 ans, je venais souvent en Corse avec mon club, ma tante. Et c'est vrai que ce club-là, je le connais depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que c'était un rêve de signer ici. Et honnêtement, ouais, c'est juste extraordinaire de vivre des moments comme ça, parce qu'on avait vécu une saison un peu dans notre bulle à travailler tous ensemble. Et aujourd'hui, d'avoir tout ce public avec nous aujourd'hui et tout ce peuple bleu, bah, c'est juste quelque chose de fou, ouais, tout simplement. On va quand même parler de Sébastien Da Silva. 12 buts cette saison. Co-meilleur buteur avec Anthony Robbie qui vous a rejoint ce soir, Anthony. Donc, ça veut dire que à vous deux, vous avez marqué 24 buts. Et puis, vous, la saison dernière, on sait que vous aviez été beaucoup frustré sur la petite partie de saison que vous aviez disputée de ne pas marquer de but. Là, vous vous êtes rattrapé cette saison. Ouais, c'est sûr. Je me suis rattrapé. Oui, un peu frustré, mais bon, quand même, on était quand même monté, donc c'était le plus important. Et aujourd'hui, en 30, 35 matchs, je ne sais pas, j'ai fait deux montées, donc faut dire que c'est plutôt extraordinaire. Aventure humaine magnifique pour vous quatre comme pour tous les autres. Vous avez hâte, vous quatre, si possible, de la vivre en Ligue 2 maintenant, cette aventure humaine. Arrêtez d'être sérieux! Putain, mes couilles! On est champions ou on n'est pas champions? Nous cinq alors. Putain, en plus, vous m'avez oublié, les gars. C'était quoi? On parlait de toi en plus. Vous cinq. L'aventure humaine que vous vivez là. Baguette! Baguette, déjà, te cache pas, déjà baguette. Avant de parler d'aventure humaine, Anthony Robic, satisfait d'être revenu sur Sébastien Da Silva ce soir au classement des buteurs? C'est anecdotique, ça. Franchement, à aucun moment on y pense. Hein. Juste, je suis très, très, très fier de nous, de ce qu'on a fait. Et après, individuellement, voilà, ça passe au second plan. Hein. Je suis fier pour Das. Il finit devant, c'est très bien. Alors, magagnons un peu. Les Worlds Apart du Sporting Club de Bastia, est-ce qu'ils sont fous à l'idée d'aller en Ligue 2, de continuer cette aventure humaine? Bien pourquoi sûr. Pas? On ne se fixe pas d'objectif. Donc, on a envie d'aller le plus haut possible avec ce club. Hein. Et personnellement aussi. Hein. Un mot sur ce coach. Il n'a pas l'air facile quand même. Hein. C'est comme ça. C'est les aléas du football. Mais au final, il tire le meilleur de nous-mêmes. Et depuis 2 ans, ben, on voit les résultats. Avec la réussite qu'on a, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. Hein. C'est très bien. Voilà, faut féliciter tout le monde, le staff, les joueurs et tous ceux qui travaillent dans l'ombre aussi. Voilà, les supporters, on a pu fêter ça ce soir avec eux. C'est très bien parce que toute la saison, ben, malheureusement, ils ont été derrière nous, mais on ne les a pas beaucoup vus avec nous. Et c'est très bien de leur rendre aussi ça. Ouais, mais après, personnellement, comme collectivement, je pense. Je pense que je ne suis pas le seul. Voilà. Moi, je savais que je venais ici dans un club avec beaucoup de ferveur historique. Et je pense que les gars, ils ne peuvent pas dire le contraire. On n'est pas déçus. Et voilà, il fallait s'y attendre. Et c'est vrai que de le vivre avec eux, bah, ça donne la chair de poule. Ouais, il fallait. Je pense que c'est important aussi de les intégrer à la réussite, au succès qu'on a pu avoir toute la saison. Voilà, et pas grand-chose à dire. Hein. On finit meilleure attaque, meilleure défense, champion d'automne, faut pas l'oublier aussi. Et puis après, derrière, meilleure équipe à domicile, à l'extérieur, on pouvait pas rêver mieux. Et c'est ouais, c'est une belle réussite collective. Le Sporting, c'est un coup de jeune, Anthony.
C'est un coup de jeune, bien sûr. Bah, après, ce soir, moi, j'ai pris un coup de vieux. Mais, ouais, ce soir, tu as cru que j'avais 15 ans, ce soir. C'est que des cheveux, mais non, c'est clair que ça fait plaisir. Et si on m'avait dit ça avant, j'aurais eu peut-être du mal à y croire, mais en tout cas, j'y croyais, moi. C'est bon ? C'est bon, merci. Allez. Merci en tout cas. À l'année prochaine, bisous.